Gadget. Yo les gens, c'est Zarka, comment ça va? Moi ça nickel les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars, un petit squad builder. Enfin même un gros les gars, donc voilà, on se retrouve pour un squad builder. On commence tout de suite les gars, on commence tout de suite. Donc alors le dispositif c'est un 4-1-2 entre parenthèses 2. Donc voilà celui là qui pour moi est le meilleur dispositif de ce FIFA les gars. Donc voilà, donc ce sera une Liga Bubiva. Bon, je pense que vous l'aurez vu à la miniature. Donc c'est parti les gars, on commence par le gardien. Alors je vais juste mettre en Liga Bubiva, comme ça va pas se compliquer. Alors Liga BUA, voilà, donc comme gardien je vous conseille largement Ter Stegen. Pour moi c'est le meilleur gardien. Bon après c'est vrai que j'ai pas de CTK ou quoi, mais il fait des arrêts de fou et il coûte pas cher les gars. J'étais pour 2500 crédits, je pense que vous pouvez le trouver moins cher. Il fait franchement des arrêts de fou, donc franchement je vous le conseille, testez le dites moi ce que vous en pensez les gars. Donc ensuite en défenseur gauche Varane, et en défenseur droit moi je vais lui là non. Je sais pas si... Ouais, si c'est lui. Alors, c'est Bernardo, pardon. Donc voilà, alors lui, franchement, c'est aussi un très très bon défenseur. Voilà, donc je l'avais eu dans un pack, en fait, j'avais Varane que j'ai acheté, qui lui, rien à dire sur lui, c'est un monstre. Je l'avais acheté, puis ensuite, je voulais faire une BBVA, et je l'avais déjà, Bernardo, dans mon équipe, enfin, dans mon club, quoi, tout simplement. Je suis allé, on va le mettre, franchement. Ces deux-là, c'est une dinguerie. Après, j'ai pas testé la porte, on m'a dit que la porte était... Et vachement meilleur, donc je vais le tester après prochainement pour faire Varane la porte, ce qui paraît c'est un truc de fou. Donc voilà les gars, on va passer au défenseur droit. Franchement, moi je mets Carvajal parce que bon, il a de meilleures stats un peu partout, ouais, il a clairement de meilleures stats sauf en tir et en passe. Bon après c'est vrai que Danilo peut être pas mal, mais moi j'ai décidé de prendre Carvajal. Je sais pas pourquoi mais j'ai décidé de le prendre. Il a plus un physique en défense, je me suis dit allez pourquoi pas. Même si Danilo faudrait que je le teste, donc voilà, donc on va mettre Carvajal. Ensuite, en défenseur gauche, les amis, on met Marcelo. Donc là, franchement, vous avez le choix. Hein. Vous avez, soit vous mettez du Nacho pour la vitesse, ou Tremolinas, qui est franchement super bon. Mais moi, je décide de mettre Marcelo. C'est un petit peu plus classe. Enfin, voilà, qui reste toujours de façon monstrueux, Marcelo. Ensuite, en MDC. Alors, je sais pas du tout si je l'ai mis MDC. Non, il doit être MC. Alors, franchement, c'est un de, c'est un MC, tout simplement. Ou vous pouvez le faire jouer MOC, je sais pas. Mais moi... Je sais pas, j'avais envie de le tester MDC et c'est un monstre les gars. Modric, c'est pour moi le meilleur MDC en Liga BBVA. Je vous parle sérieusement, c'est un monstre. Voilà, hein, il m'a mis 4 buts, une passe D, acheté pour 94 000 crédits, c'est vrai que ça fait mal. Je pense qu'il a dû baisser. Mais voilà, c'est un monstre, franchement c'est un monstre. Ensuite, un MC droit les gars. Je mets Thiago. Alors Thiago, franchement je vous dis... Clairement pour un Thiago c'est un monstre. Franchement je le pensais, je pensais qu'il était super nul, mais en fait non, il est super fort les gars. Pour un MC, 14 matchs, 4 buts, 2 passes D, franchement c'est correct. En plus il est assez grand. Vous pouvez voir ses stats en tir, en vitesse qui sont bof bof. Franchement en tir c'est un monstre, et en vitesse aussi. Franchement je vois pas son manque de vitesse. Pour moi il est assez complet. Ensuite en MC droit il s'agit d'un brésilien. Bah je pense que c'est Rafinha. Bon, c'est vrai que j'aurais pu mettre Isco ou des trucs comme ça, mais là je jouais sur les joueurs que j'avais déjà dans mon club il me semble. Non, Rafinha je l'ai déjà, oui je l'avais déjà. Et donc voilà, donc Rafinha assez technique. Franchement je l'aime beaucoup, très bon en passe, très bon en vitesse, donc franchement ça me convient les gars. Ensuite on va passer en MOC. Voilà, donc en MOC pour moi c'est Ravis Rodriguez. Et franchement je trouve aussi bon, mais je dois vous l'avouer qu'en vitesse c'est pas trop ça. Je sais pas si Isco il a plus ou pas, parce qu'il faudrait que je teste Isco. Mais non, sinon franchement c'est un régal. Bon, acheté pour 105 000 crédits ça fait mal, mais franchement il est très très beau Ravis Rodriguez, je vous le conseille. Voilà, c'est du Rames quoi, 86 de tir, 78 de vitesse, c'est rien qui manque un peu. Après je l'ai pas mis de style, donc peut-être si je mettrais chasseur, bah ça compenserait sa stat en manque de vitesse. Franchement je sais pas les gars. Alors ensuite on passe au buteur droit les gars en Liga BBVA, voilà. Rien de mieux les gars que Luis Suarez, franchement c'est un monstre, comme vous pouvez le voir, acheté pour 449 000 crédits. J'ai regardé son prix récemment, il tourne aux alentours des 380 000, un truc d'un genre, je me suis fait baiser comme d'hab. Mais c'est pas grave les gars, donc comme vous pouvez voir 22 matchs joués, 20 buts et 8 passes D, franchement c'est un monstre. Pour moi c'est le meilleur buteur de Liga BBVA, de tout ce que vous voulez les gars, c'est un monstre. C'est vrai que j'ai pu mettre Benzema aussi, mais bon j'ai pas préféré. Alors vous allez peut-être me dire comment j'ai eu pour faire tous ces crédits. Enfin pour avoir tous ces crédits, bah, j'ai eu Zlatan dans un pack. Ensuite, de toute façon j'ai des screens hein, mais je vous le montrerai peut-être dans une prochaine vidéo. J'ai eu Agüero, j'ai eu deux fois Neuer,
Et après, je crois que j'ai eu Manolas Boost, donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai eu un peu beaucoup de crédit, hein, pour ceux qui se demandent. Voilà, donc ensuite, les gars, on va passer au buteur gauche. C'est pas un buteur, franchement, mais pour moi, c'est un buteur. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, Neymar, pour moi, c'est le buteur ultime. C'est le trio d'attaque. Franchement, ce trio d'attaque-là, c'est un truc de fou. Rames, Suarez et Neymar. Neymar, je le trouve monstrueux. Alors, jouer à chaque fois un dispositif 4-3-3 offensif, hein, et j'arrivais pas. Ensuite, j'ai testé cette formation-là. Je me suis dit, tu sais quoi, j'ai Neymar dans mon club, ça a rien de le mettre sur le banc tant qu'on fait une Liga BP, autant le mettre en BU, les gars, et c'est un monstre. Comme vous pouvez voir, pour 22 matchs, 22 buts et 4 passes D, les gars. Pour moi, Neymar, c'est mon joueur préféré sur ce FIFA-là. Franchement, il m'a vraiment surpris comparé aux autres FIFA. Donc voilà, acheté pour 485 000 crédits, lui aussi a baisé. Enfin, ouais, voilà, on se connaît, on connaît. De toute façon, on se fait toujours baiser pareil. Enfin, pareil, par la communauté, mais bon, bref. Neymar, comme vous pouvez voir, ça fait 5 étoiles de mauvais pied, 5 étoiles de jeu technique, 90 de vitesse, 82 tirs et 92 de dribble. Bon, après, c'est stat en défense et en physique, c'est pas trop ça, mais franchement, il tient. Dans le match, il tient, les gars. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de liker, commenter. Et tout tralala quoi. Suivez-moi aussi sur Snapchat. Snapchat c'est Zerka-Fut tout simplement comme ma chaîne. ZERKFUT. Pareil pour mon Twitter, les gars, n'oubliez pas de me suivre, m'ajouter, faites tout ce que vous voulez, les gars. Abonnez-vous, likez. Et je voulais aussi vous remercier pour les 1400. On est actuellement à 1471 abonnés. Ça fait super plaisir. On approche des 1500, les gars. Peut-être qu'il y aura un truc, je sais pas encore. Bref, en tout cas, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde. Peace.